et puis un petit départ un peu difficile pour la japonaise là. Gambe, gamba, gamba, Masako, gamba. Et voilà, et ça sort pour Lutch. Et ça, c'est plutôt bien joué. Plutôt bien joué. Hein. Tout de suite, il met la pression sur la suite de ses grimpeurs. Et maintenant, on a l'arrivée de l'Italien Alessio. Alessio Cornamusini. Et ben voilà, notre grimpeuse japonaise Masako Watanabe, elle y a laissé de l'énergie. Elle a eu du mal à négocier un mouvement là sur cette voie. Comme vous pouvez l'imaginer, on vous parlera des cotations. Hein. Les ouvreurs n'épargnent pas nos athlètes. Gamba, gamba. Et là, on accueille un autre japonais désormais avec Tadashi Takano, representing Japan. Alors le Japon, Arthur, c'est quand même une grosse nation hein, au niveau du paraclimbing. La France aussi, hein, il y a beaucoup de titres de champion du monde. C'est vrai, mais c'est déjà une... enfin, la France et le Japon sont des grandes nations de l'escalade tout court. C'est vrai qu'on les a... on les voit maintenant depuis de nombreuses années, cette équipe japonaise montée. Alors, il ne me semble pas avoir vu beaucoup d'athlètes l'année dernière en para japonais. Eh bien, ça suit malgré tout maintenant avec ces catégories-là. Allez, nouveau grimpeur du côté du climber for the RP1 lead. Main categories, Marcus Rosendorfer. Alors lui par contre, on le connaît, hein. On le connaît bien Marcus. Hein. Lui Marcus, alors voilà, là on peut voir hein, aucune utilisation des jambes, un dévoreur de voix avec les bras. Hein. Ils nous ont fait rêver l'année dernière. Et puis là, Arthur, quand on connaît l'escalade, un gars comme toi, bah lui, il est obligé d'aller vite, il n'a pas le choix. Ah ouais, non, alors là, pour le coup, c'est le plus vite en haut. Et puis lui, Marcos, en plus, on l'a vu régulièrement. Alors lui, c'est un peu, il est souvent deuxième derrière son compatriote Angelino. Voilà, en tout cas, dans cette catégorie-là, la concurrence est hyper rude. Hein. Allez, c'est terminé pour l'Italien, Alessio, qui termine son run. Allez, for the woman, AL2.